Il y a des raquettes qui font 30 000 $ dans une journée. Il y a qui font 40 000 $. Qui a fait plus que ça? Vous comprenez? Parce que les jeunes ont un terrain approprié en vêtu. En voilà. Et quoi ça vous fait? De où même vous portez barrio? Il y a des gens qui font comme ça. Il n'y a pas même bon service à vous, non? Il dit pour mettre en dedans, il faut avoir 10 000 gouttes. Pour mettre en dedans, il faut avoir 15 000 gouttes. Pour faire photo, il n'y a pas aucun rapport à mon niveau. Il y a une vie photo seulement demander au service pour le monde. Tandis que son service payé, on ne sait pas si le service payé lié. Tout ça, il existe dans l'administration. Et de par le monde, ça existe. Ce n'est pas seul à Haïti qui a un problème raquette. Nous, quand son pays qui a un petit peu un problème technique, etc. Mais ce n'est pas seul pays d'Haïti comme ça. Mais nous, même en tant que citoyens, demandeurs de services, nous avons contribué avec l'autorité pour nous joindre, pour nous pallier, pour nous joindre des éléments de solution rapide. Quel policier qui entraîne pas pour pratiquer ça tout? Quel que soit, il y a des policiers, il te met employé, il te met des capacités sur la croix. Quel que soit, de côté le sorti, il faut le traiter pour que ça va faire. Ou va penser la justice, le commissaire gouvernement, qui a fait. Bon, rôle qui t'a dû jouer dans ce sens pour sanctionner mon. Il y a le modèle de muscadin, le muscadisme dans la grandeur. Nous copier celui. Nous avons copié ce muscadin et ceci à tous les niveaux. Vous avez parlé de la faute qu'a mis de gaz sur notre arrivée. Commissaire gouvernement qui a fait ça. Parce que, pas lui. Pas au prince Gain. Vous voulez que le commencer dans le tribunal de. Avant l'immigration. Non, commissaire gouvernement est chef de poursuite et oui, CTA. Faut qu'il témoin. Pas bien que dans l'Ouest, nous avons trois commissaires. Nous avons trois paquets. Ouais, combien de commissaires nous avons? Il presque pas qu'à 50 commissaires. Trois chefs, puis des substituts. Donc si on fait force là, de l'organe, jusqu'à quoi des bouquets, tant au niveau de la justice, tant au niveau des services qu'a bail par l'État, spécialement dans l'immigration, pile bagaille qu'a fait. Mais il faut que les gens aient volonté pour le faire. Et le rapport entre citoyens et l'État, il va aller. Si vous demandez un service, vous ne pouvez pas venir dénoncer, exiger plus. Ok, faire des pétitions, parler à l'autorité, faire des. Donc voilà que quand il y a la même période, la communication, c'est instantanément le fait. Pendant que je parle, voilà, si vous voulez, vous faire le monde tel est Abdoula. Longtemps, vous venez faire conférence là, vous prenez, vous allez dans la salle, vous allez dans le studio, vous faire des reportages, etc. Mais quand il y a là, vous allez la gueule. Il y a plus de moyens pour nous communiquer, pour nous poser des problèmes et puis pour nous joindre une solution. Je suis d'accord, je suis conscient, je suis entendu. Tout ça dit là. Il y a un problème la population à rencontrer là, dernier jour, qui est la situation fait passeport. Nous-mêmes, nous avons une idée technique dans le niveau ça. Donc, nous-mêmes, comment comprendre la situation ça avec l'augmentation? Tout le monde qui a besoin de faire passeport en même temps et qui a une grosse difficulté pour jouer le passeport, les offres. Je pense que c'est un problème grave. Pour moi, c'est un besoin de documents de voyage et de la. Cependant, depuis l'immigration, mettez discipline dans sa cape fête là, cherchons une méthode, une équation que je propose déjà, je commence à appliquer. Il y a fait passeport normalement. Immigration qui a fait plus entre 500 à 1000 passeports par jour. Ça me permet les régions, je vais mettre d'autres départements qui ont des centres qui ont fait des documents. Mais ici, seulement, qui a fait 1 000 000 passeports par jour. Mais il n'y a pas 100 000 personnes qui ont un passeport. Et même si il y a 100 000 personnes, vous mettez dans l'équation, dans le schéma, il y a un résultat. Donc, je conseille que faut qu'il utilise des méthodes qui vous permettent que la population joue un service. Parce que voyage, mariage, comme qualité, terre, depuis que l'Aïtien m'a dit qu'il a fait affaire pour ça, ou pas parler de choukou. L'Aïtien a dit qu'il n'y a pas de bloquer. Il a dit qu'il n'y a pas de bloquer. Pour la qualité, il n'y a pas de faveur. Donc si l'Aïtien a besoin de voyager, il y a une opportunité de façon légale, faites tout ça que vous connaissez pour le Bali. Parce que sur la KTA, tout qui est en place, qui est le minimum salarial. Oui, la KTA a son micro qui est lié à fonctionnement de l'État. Depuis un service, pas de bailler. De façon normale, c'est ou bien naissance à un marché parallèle. Et marché parallèle là, le plus cher, il y a plus de risques là-dedans, il y a arrestation, etc. Donc, si l'État met des dispositifs pour faire passeport normalement, on a réduit le phénomène parallèle, ça, qui est la quête. Mais, monsieur, il y a un matériel là-bas,
yo gagne technicité tout ça ça au besoin mettre une discipline un au niveau des employés deux au niveau force de l'ordre qui va accompagner yo fait pasteur gagne en pile monde qui connait rive dans service là dit machine ordinateur freeze et système tombé donc en pile temps pour passeport imprimé tout ça vient tourner en casquette chinois pour citoyen rejoindre document pas bien que passeport c'est pas même genre on fait un badge dans circulation on va tirer un matricule dans DGI passeport demande plus technicité pas bien que pays qui est dénoué fait passeport qui nous rencontre avec lui pendant qu'il a dit qu'on paye service d'entretien c'est l'Allemagne son compagnon Philippe Siker je crois Siker ou Siker et technique pour faire passeport c'est physique nucléaire civil de l'Allemagne étant système n'a qu'à freeze si on met on pas respecter redevance pas oublier que avec toute exigence ça yo quantité monde ça yo parfois système n'a qu'à tomber et déjà puisque c'est internet qui est utilisé nous avons une situation pays nous avec internet même aux États-Unis nous avons des gens qui parlent oh internet a tombé et c'est l'électronique c'est signal qui a traversé qui a des coupures des blocages qui fait quelque part par exemple sur un système où tu achètes un système pour recevoir 20 personnes mais là il y a 200 personnes qui viennent demander au service ça faut upgrade système c'est-à-dire qu'il faut améliorer système peut-être c'est ça qui est arrivé immigration parce que il y a plus de demandes, il y a trop de demandes et puis pas d'attendre avec agressivité bien au niveau de demande. Mais m'assure que il y a un bon technicien en bas, attendez. Yo ouais ça qui passe là, il y a monde qui blessé, il y a monde qui victime, il y a petit monde même victime et moi à travers tout département comment on y a passé dans feuille, dans gris etc. Donc tout ça doit interpeller intelligence pour trouver un meilleur moyen une bonne façon, une plus bonne façon que bail population service. Moi-même personnellement, semaine passée, mon été dans l'immigration qui est vraiment là. Le passeport et que l'MBC m'a dit avec employé que il y a un monde qui devine faire passeport tout qui dit que le package à cause que c'est comme pour le bail passeport. Et 10 à 15 000 dollars pour payer pour mon passeport. Okay. Et qui stratégie autorité à travers le ministère intérieur et le commissaire là a fait pour permettre que question raquette qui a fait 50 000 gouttes, 75 000 gouttes pour bagarre ça résout parce que nous avons besoin de passeport jusqu'à présent ou en situation difficile. Direction générale, intérieur, cabinet ministre, direction immigration qui prend en charge de ces passeports. Depuis la conception jusqu'à la livraison, en délivrance passeport. Dès que nous avons une prise en charge qui fait en amont et en aval, problème ça va présenter parce que si un passeport fini un simple citoyen quel que soit saleté il n'est pas capable de 25 000 gouttes 30 000 pour le bon passeport il y a un bon qui parle pour la moune demandeur de service si vous même le bail si le cas va présenter faut que vous doléance qui va quelque part faut que vous avez un mouvement qui vous fait pour sensibiliser l'autorité pour que nous même ne pas prendre un piège là parce que en pile fois en pile fois que mon calme dans service, il n'y a pas de patience pour le service là prend route qu'il doit prendre, il fait un chantier de tourner et puis dans le chantier de tourner il a payé bœuf pour cabri. Donc ou même qui a besoin de passeport, ou même qui a le dernier passeport là, il faut pas encourager le service souterrain ça qui nous relie la tête là. Probablement, ce n'est pas mon but qui est encourager le service là, parce que en profite de sur les îles. Ou en un service dans la circulation, qui sacrifie. Leur paraît, vous présentez comme un demandeur de service, employé qui travaille dans un mando à qui est-ce qu'on vient. C'est-à-dire que n'est pas qu'à bon service sans que le pas assurer que son monde qui mène, alors que l'autre a fini, ou pas de prendre deux personnes. Et c'est de même, cette même pratique au niveau de, du service de l'immigration et de l'immigration. Donc là, encourager. Parce que raquette là en Haïti, il vient en système, c'est tout un processus. Demandeur de service qui n'a pas gagné le choix, il n'a pas qu'à contourner, il est obligé de passer par lui-même. Donc, même pas, c'est que il y a une solution. Il y a une solution parce que dans l'expérience que je fait
dans le ministère de l'Intérieur, je réduit, pas à 100%, mais je réduit à une faible expression. Il y a une solution. Et deuxièmement, tout, citoyen, tout, il y a une capacité pour dénoncer ça. Pour plaindre de ça, on peut plaindre. Dans un état fort. Si, hein? Non, si une personne plaint, deux personnes plaint, trois personnes plaint, la pouvez dans les oreilles autorité. Ça me garantit tout ça qu'a fait. Donc, vous okay. Pensez que citoyen a un rôle par vos jeux dans le genre de réaction ça qui a passé dans la boîte institutionnelle?